Non, mais faut venir te donner une petite femme ivoirienne. Tu me donnes une... Ah, tu as compris. Faut nous affairer. Une femme ivoirienne? Aïe, petit. Si une femme ivoirienne a lapé tes testicules, tu vas oublier toutes les femmes que tu as connues dans ta vie, hein. Hein? T'as disais pas ça? Les filles ivoiriennes. Non, ouais. Tu as goûté une ivoirienne. Tu as oublié le nom de ta maman. Tu as tout oublié. Tu as déménagé de la France pour aller vivre en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Petit! Les filles ivoiriennes, y a pas les... elles sont les plus bonnes, les femmes les plus bonnes au lit. Ah, elles te font voyager, elles voyagent avec ton âme. Genre en mode, tu rentres dedans, ça y est, c'est une spirituelle. Non, tu peux plus sortir. Ivoirienne, non, si elles ont... elles vont soulever tes testicules quand si elles ont lapé en bas, c'est fini. Oh, petit. Aïe. Mais tu me donnes envie, là. Mais pourquoi tu m'as dit que j'ai pris des trucs chez toi? Ouais, mais faut venir. C'est les amitiés qui commencent d'abord par la bagarre. On dit que ce sont les amitiés solides. Ben regarde, la bagarre, on l'a eu. Il fallait qu'elle te teste d'abord. Eh ben là, tu m'as testé. Voilà, il a vu que tu es un gars cool, respectueux. Malgré ça, tu es venu. Tu as un bon fond. Toi aussi, mon frère. Les gars, il sait qu'il peut prendre au moins 2-3 000 euros avec toi. Il sait comment il t'est escroqué dans ça. Yo, connais bien. Tu m'as escroqué? Oui. Pourquoi? Si moi, j'ai pas pris 3 000 euros en toi, c'est que c'est pas ma couso. Pourquoi 3 000 euros? Ah, je suis le père de la marmaille, quand il faut que je mange en toi. Tu as pris mon temps. Tu as pris mon temps. Ça veut dire que là. Attends. Ça veut dire que là, vu que je vais venir là-bas, tu vas m'offrir une femme et je dois payer 3 000 euros pour être avec cette femme. Non, tu payes. Ça, c'est pas ça. La femme, je te la donne cadeau. C'est les petites filles de Yopougon. Les gars, mettez les cœurs, tapotez. C'est les filles de Yopougon, ils te donnent une petite de Yopougon. Elle va te montrer qu'en Afrique, là, de l'Ouest, là, il n'y a pas de femme qui est plus douce qu'une ivoirienne. Ça. Maintenant, toi, maintenant, tu es venu, tu as rencontré le général. Voilà. Il y a maintenant un système en place, tu as fait surtout même 3 000 euros. On appelle ça les frais de dédommagement pour le temps que tu m'as pris. Si tu m'as pris, regarde, tu m'as pris exactement. J'ai toujours pas compris. Je suis choqué. Une minute douce de ma vie. Je suis choqué. C'est toi qui dois payer. Tu payes. Oui, oui. Tu m'as pris une minute de créance. Tu m'as pris. Ce que tu es en train de faire là. Tu m'as crié dessus. Là, le marketing que tu veux faire, là, c'est moi qui ai inventé ça. On m'appelle le père de la marmaille. Hein? Comment utiliser ça? Stop. Il y a une femme, elle m'a dit, c'est faux. Les meilleures femmes, c'est les Sénégalaises. Bon, qui va monter son village avec la main gauche? Toi aussi, tu as me dit que les meilleures femmes, c'est les Marocaines. C'est les Marocaines. C'est comme ça. Mais moi, je te dis, si tu as goûté une ivoirienne, tu vas oublier. J'ai dit, le prénom même de ta maman, tu oublies. Surtout les filles de Yopougon. Je te donne la. Ils font la sorcellerie? Quelle sorcellerie? Tu oublies le nom de ta maman. C'est d'une manière, mon ami. Tu es capable de sortir de la côte, tu vas traumatiser. Mais pourquoi tu parles comme ça? Mais pourquoi la vie, elle est belle? Pourquoi je ne vais pas parler comme ça? Je dois parler avec toute la vulgarité qui va. C'est ce qui fait ma particularité. On m'aime comme ça. Je viens de manger, frère. Moi, je suis en train de manger. Il est quelle heure en France actuellement? Bon appétit. Il est quelle heure là?